Qu'est-ce que tu retiens justement de ton voyage à Cuba? De mon voyage, j'ai retenu que j'ai retenu des différentes façons de jouer, tout ça. Et aussi, j'ai appris à connaître mieux les membres du groupe, tout ça. Oui, j'ai rencontré des musiciens. Bon, ils sont doués et ils jouent aussi des différents instruments. Comment ça se passe l'aventure avec les autres musiciens dans la troupe? L'aventure est ok, on s'amuse bien, tout ça. Tu arrives à faire ça en même temps et étudier en même temps, sans problème? Pas trop, un peu trop. Là. L'expérience est magnifique parce que avec mes élèves, c'était plus la liberté. En général, pas chez les élèves, c'était plus pour jouer, pour faire un concert. Maurice et Cuba, Marie loin, je ne connais pas nos cultures, je ne connais pas la musique. Mais nous avons juste du Sega. Et ben là, j'ai marré, on s'est marré crié quand on a fini une prestation. Ben là, il réclame encore une santé. Parlez-nous justement, ça rêve de José Thérèse qui finalement est réalisé. Oui, en fait, c'est plutôt un rêve qui est réalisé à José Thérèse. Il est content là-bas, de toute façon, bon, il n'est pas là, mais il nous reste faire ça pour lui. Et je suis bien content que tout le monde nous a bien joué et de la part des autres terrains, nous fait ce rêve arriver de toute façon. Et l'expérience en ligne, comment qualifiez-vous? L'expérience pour la, comment dire, Cuba. L'expérience Cuba, tu m'as réussi à Cubain, je m'as joué bien aussi. Et comment dire, tous les jours, une semaine, comment dire, tout le monde café, comment dire, dans la musique, ça peut dérouler. Belle ambiance, et bonne musique, je jouais bien. Et moi, j'ai l'occasion, les trois, j'ai les autres, j'ai l'occasion de jam avec le band cubain là. Et c'est bien, bien bon. C'est marrant, ça.